Alors, cette interdépendance et cette intégration est malgré tout un facteur d'espérance, selon moi, parce que justement, c'est ce qui fait que sans doute, on ne va pas détruire la zone euro, la zone euro ne va pas éclater comme ça, parce qu'il y a tout le monde a intérêt à maintenir l'euro. Il faut d'entrée de jeu souligner que nous sommes entrés en récession. Eh bien, en 2012, on a un nombre élevé de pays membres de la zone euro en récession, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas. L'Allemagne et la France sont sur des prévisions de croissance relativement faibles. Eh bien, tous les pays, en même temps, au sein de la zone euro, mènent des politiques de réduction de leur déficit budgétaire. Eh bien, cette politique de désengagement des États par rapport à l'endettement sur les marchés, et donc de modération des déficits budgétaires, a eu pour conséquence un énorme choc déflationniste. Et s'il y a ralentissement de l'économie mondiale, c'est pour partie par le jeu du ralentissement très fort, voire de la récession, de l'économie européenne, de la zone euro. Donc on veut des marchés financiers qui soient plus sûrs et qui soient plus transparents, éviter des crises futures, mais nous voulons aussi faire en sorte que les consommateurs de produits financiers soient mieux protégés. C'est pourquoi c'est une directive européenne qui protège à hauteur de 100 000 euros tous les déposants. Donc chaque déposant dans l'Union européenne est protégé sur son compte courant à hauteur de 100 000 euros en cas de défaillance de son établissement de crédit. On a commencé ce processus législatif en 2007. L'idée, c'est qu'il soit terminé en 2013. Donc ça nous donne 6-7 ans, afin de réformer de fond en comble le système financier européen. Comment se positionne la Commission par rapport à l'ordolibéralisme allemand? À mes yeux, ce n'est pas très clair, et j'ai parfois l'impression que la Commission est largement sous influence de ce côté-là. J'ai dit que la Commission considérait que l'assainissement budgétaire dans la zone euro était absolument essentiel. La Commission européenne est un acteur qui prend des initiatives qui ne vont pas forcément dans le sens de l'Allemagne, mais plutôt dans le sens de ce que nous croyons être l'intérêt européen. Et notre position sur le plan de la solidarité financière est nettement au-delà de ce que l'Allemagne souhaite. C'est juste un exemple pour vous montrer que notre position ne consiste pas du tout à nous aligner sur l'Allemagne systématiquement, mais à essayer de dégager l'intérêt européen. Je prétends pour ma part que tous les grands pays ont une politique de change. La Suisse en ce moment a une politique de change. Pas la zone euro. Et ça, c'est quelque chose qui a à voir avec l'héritage allemand. S'il était utile d'accélérer la mise en place des accords de Bâle III. C'est très important la question de la supervision, au-delà de la coordination à l'échelle européenne, car la vraie décision elle reste à l'échelle des pays aujourd'hui. Qu'il y ait véritablement des sanctions qui soient prises, et on entend parler de sanctions très dures aujourd'hui qui sont prises, hein, beaucoup plus qu'avant la crise, lorsque les exigences réglementaires ne sont pas respectées.